Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Bonjour Grégoire, c'est vraiment génial d'être ici dans cette atmosphère incroyable. Je pense que ce match va nous réserver de très belles surprises. Sélection. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Ils obtiennent la touche. Quel plongeon du gardien! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur leur état d'esprit. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Ça sent la frappe. Une occasion. Le but de la Turquie. Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait. Tout a l'air facile avec lui. Quel instinct de buteur. Ça passe intercepté. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe.
dans le dos de la défense. C'est bien fait ça. Il garde la balle. Pjanic. Pjanic. Et la défense qui s'offre un répit. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut y aller. Il peut en profiter. C'est Mikaya qui remporte son duel. Misimovic. Pjanic. Il est passé, c'est pas fini. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, c'était une jolie frappe. La bonne intervention, attention, ce n'est pas terminé. Et bien sûr s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. Jouer, ils vont pouvoir repartir. Lulic. Il joue dans l'espace. Ça, c'est une interception parfaite. Longue ouverture. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Pour trouver la faille dans la défense. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Misimovic. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils jouent dans l'espace. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Les adversaires savent que c'est lui le danger, alors ils essaient de le priver de ballon. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. De la jouer dans l'espace. Il joue dans l'espace. Pas de hors-jeu, il y va. Attention, c'est dangereux. Boati Elmaz. Il y va tout seul. Boati Elmaz à droite. Continue à avancer. Touche. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué loin devant. Pjanic. Il glisse le ballon en profondeur. Ce ballon dans l'axe. Dans le dos de la défense. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Il tente de la jouer dans l'espace. Misimovic, il a de l'espace. C'est repoussé par la défense.
Marcel Soukinan. Il tente de la jouer dans l'espace. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Oh, il l'a récupéré. Pour trouver la faille dans la défense. Il est à distance de tir. Là, il peut centrer. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Il joue dans l'espace. Va-t-il en profiter? Ça joue! Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, le but! Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Arana Touran. Il glisse le ballon en profondeur. Il peut conclure. Oh, la grosse occasion! Encore une occasion et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Une frappe à quelques millimètres. Ça aurait pu faire, mais je ne sais pas passer loin. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Pour Akilmaz. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le bon service. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Il y a eu tout dans ce match. Des occasions, des duels. On s'est régalé. J'aimerais pouvoir commenter des matchs comme ça et tous les week-ends.